بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel bonheur de partager avec vous un petit bout de chemin. Quel bonheur de vous parler. Quel bonheur d'apprendre de vous. Ouais. Quel bonheur de s'adresser à vous aussi. Pas d'autre chose à s'adresser à vous. S'adresser à moi. Bonjour, bonsoir, bonne méditation, bon courage, bonne évolution, bonne solidarité, bonne fraternité, bonne capacité d'être, d'évoluer, donc de vivre ensemble. Bonne moralité. Bonne, je dis fraternité, je la redis, bonne fraternité, bonne solidarité humaine, ce musulman, bonne solidarité humaine. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, un petit article qui vient de tomber, je viens de lire, qui a attiré mon attention. Je vais vous le lire, Inch'Allah, et après je vous dirai pourquoi. Pourquoi du comment. Un salon du livre organisé par la communauté juive de Neuilly avait convié le journaliste Claude Askolowicz pour une séance de dédicace. Celle-ci a été annulée à la dernière minute pour des raisons infondées. L'auteur juif a récemment publié un livre intitulé « Nous mal aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas », défendant avec ferveur les musulmans de France et pointant du doigt la stigmatisation à laquelle ils font face depuis quelques années. Il avait été invité à se rendre au salon du livre organisé par la communauté juive de Neuilly afin d'y dédicacer son bouquin fraîchement sorti et dont la communication avait été importante. Sa visite a été annulée. Je sais que j'ai un accent. Oui, je sais. Sa visite a été annulée avec pour seule explication des risques d'incident. Risque d'incident. Depuis que son livre est dans les rayons, le journaliste ne cesse de se faire stigmatiser à son tour par les islamophobes ou même certains juifs. On le traite de juif qui n'aime pas la France. On a vu le raccourci comment il est bon. Juif qui défend les musulmans, un juif qui n'aime pas la France. C'est bon. C'est quand il n'y a plus de cerveau. Ou encore de faux juifs. Le juif doit obligatoirement détester le musulman. Et c'est vrai, on a entendu chez nous, c'est vrai, honnête. Un musulman qui se respecte doit détester le juif. Extraordinaire. Ça aussi, il y a ce racisme. Plein de puanteur pour les familles musulmanes. N'est-ce pas? Et tout cela parce qu'il a eu le courage, c'est vrai, c'est un énorme courage, de dire ce qui se passe réellement en France. L'islamophobie est fortement ancrée dans les élites françaises, et notamment les plus communautaires. Claude Askolowicz en paye le prix en ce moment même. La situation inverse aurait été dramatique. Un salon du musulman qui annulerait l'invitation d'un auteur jugé non antisémite. Je n'ose même pas imaginez les conséquences. Hier, j'étais en train de chercher des livres à la fac. C'est ça, flotter sur la classe, pas faire de la pluie, nous sommes sur 26. Et je cherche. Pratiquement 3 quarts d'heure ou 40 minutes, je cherche. J'aime bien ça, moi j'aime bien ça. Les livres, j'aime. Livrer des kuffars, enrichir les kuffars, Bida, Akida, Mouvès, tout ça. Je sais.
mon régime pour pas. Mais les livres sont bons. Enfin, dans une librairie, chez les Arabes, tu vois des livres, il y a 1300 ans, 1200 ans, 1100 ans, il n'y a plus beaucoup de production. L'histoire musulmane s'est arrêtée depuis 500 ans. Il n'y a plus beaucoup de production. Un pays comme la Grèce produit, il produit plus que tous les pays musulmans réunis. Statistique récente. Bon, c'est vrai que je suis toujours émerveillé par la puissance de la littérature, de l'écrit, de l'édition chez nos amis français. C'est vrai. C'est foisonnant, ça n'arrête pas. Je voyage pas mal et je suis toujours, vous savez, dans les galeries, là, ils nous mettent, je pense, fly, c'est ça, fly, fly. Je vois là des livres et je vois ça au live, je suis toujours, à chaque fois, il y a du nouveau, je pense. Moi, j'étais en train de le voir. On va faire de la pub pour nous, notre ami. Donc, j'étais en train de voir, et pour ça, il n'y a pas de distinctivité sur l'islam. Quand tu es venu sur l'islam, c'est intégrisme musulman, abattage non rituel, islam pauvre méchant, islam pauvre islam musulman méchant, Claire Chazal a tué un musulman qui était qui tué, c'est des choses. Donc, c'est ça, l'islam a tué aussi, des choses extraordinaires. Donc, je vois ça, ce soir-là. Imaginez ça. Imaginez la surprise, le choc. C'est un choc. Et voilà, ça fait déjà 20 ans maintenant que je suis en France. Voir ça, dans une librairie, dans une fac, faire ça, tu le vois dans une librairie musulmane. Les libraires, le pauvre, il fait 8000 euros par an. Le pauvre, il vend ça, il fait une petite marge. Et les musulmans sont contents de voir ça. Mais ça, à la plaque, c'est pas bien. Et quand j'ai vu Claude Askolovitch en plus, il va peut-être voir ça. La première chose qui est venue dans ma tête, c'est serpent. Ça, je voyais donc Askolovitch, vous savez, tu te rappelles, tu te rappelles pas, parce que c'est lui ou pas lui. J'ai pas, mon iPhone ne fonctionne pas, moi j'ai plus d'iPhone, ça. Pas d'internet, tout ça, à disposition pour trouver, pour mettre le nom et trouver l'image. Est-ce que c'est lui ou pas lui? Et à chaque fois, serpent, c'est un commun serpent, on dit, c'est dangereux dans sa manière de faire. Et lui avec l'islam, tu le mets dans la même phrase dans l'islam, avec lui et l'islam dans la même phrase, ça pose problème normalement. Il écrit ce livre. Et wallah, je m'amuse. Chapeau, mon ami. C'est vraiment chapeau. Ça, c'est l'honnêteté. Belle honnêteté intellectuelle. Là, je suis à la page combinée. 173, j'ai presque une idée. C'est extraordinaire. Lisez-le. Je pense même que chaque musulman se lisait, chaque musulman doit lire, acheter un livre parce qu'il s'est trouvé au chômage. Pour Claude, tu t'es trouvé au chômage. Il ne fallait pas prendre le risque. Non, c'est bien. Risque, c'est à moi qu'il donne, mon ami Claude. C'est ça. Ne t'inquiète pas, les flots vont arriver en partie. Là, il y a des gens qui disent, ah, il a cru déjà que Claude est musulman. Non, Claude est honnête. Il y a beaucoup d'hommes d'honneur, wallah, ils sont pas voir, dans le monde. Il y a des hommes d'honneur qui défendent la Palestine mieux que les millions de musulmans. Et qui la défendent, que ça devient la cause de leur vie. Et lui, il a pris des risques. Ça sort du lot, vraiment, le lot de actuel, ce qui se passe actuellement depuis 20 ans, depuis plus même, c'est tout doit être anti-musulman. Tout doit montrer les musulmans comme... Alors que c'est pas la France. Ton voisin, ta voisine, voit en toi quelqu'un de paix, de paisible. Ils te sourient, ils sont gentils avec toi. Moi, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de gens de droite, à droite pure et dure, et même des gens qui ont beaucoup voté pour Marine. Famille Marine, beaucoup. Ils regardent. Et subhanallah, ils sont gentils. Tu vas me dire, ok, ils sont hypocrites, ils montrent le sourire de façade, mais c'est pas un problème, ça. Et là, la note d'Allah, il m'a dit, là, il on voit l'extérieur. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui regarde les cas. Et moi, dans le comportement, je vois des gens qui se comportent bien. Donc, mon ami Claude, excellent livre, je vous le conseille. Achetez-le, vous n'avez même plus besoin de parler, il y a un qui a tout compris. Il a rencontré des musulmans, subhanallah. Il a tout compris. Ce sont des humains normaux qui essaient, qui cheminent, qui avancent, qui apportent la paix à leur vie d'abord, qui essaient d'apporter la paix, l'islam, à leur vie, d'accord, salam, et ils essaient de faire jaillir la paix dans le monde. Ils apporteront beaucoup à la France. Et il dit une chose, il la répète plusieurs fois, que le combat, c'est ça la phrase qui attire mon attention, il est ingagnable contre l'islam. Il est ingagnable. C'est vrai. C'est bon, mes amis, bon. Je vous dis franchement, calmez-vous et économisez votre énergie. Les collègues, les amis, les kuffars méchants,
intégriste, laïcard intégriste, république intégriste. Les amis, calmez-vous, c'est vrai. Il est ingagnable. L'islam avance dans le monde. Il faut prendre ça. Il faut prendre ça tel quel. Il n'y a rien à faire pour le combat. Maintenant, soyons malins. Essayons de comprendre l'islam et les musulmans. Essayons d'aller vers eux parce qu'il le dit très bien dans le livre Wallahi. C'est extraordinaire. C'est toi l'islam. Ça fait partie de toi. C'est la France d'aujourd'hui. Elle évolue. La France, comme toute chose dans le monde, elle évolue. Elle a évolué vers une partie d'elle qui est musulmane. Ah oui. Ta France, tu l'aimes ou quoi? Ou tu essaies de la connaître? Ta France, ton islam. N'est-ce pas? C'est ta France. Voilà, il dit très très bien dans le livre. Lisez-le. Moi, je vais faire une action pour vous offrir le livre. Donc, on trouve bien 17 euros, 18 euros. Et donc, on va vous l'offrir, Inch'Allah. C'est un excellent livre. Écrit par un juif. D'honneur. D'honneur. Oui, mais Mustafa l'avait dit l'autre jour contre Tariq Ramadan, il avait fait. Oui, il a le droit d'exprimer son désaccord avec Tariq Ramadan. Il a le droit de dire des choses là. Mais là, dans ce qu'il a dit ici, c'est pas seulement ces règles. Bien fait, honnête, surtout. Honnête. D'accord? Et il a perdu son emploi, son job, d'accord? Au point, à cause de ça, regardez ce qu'ils sont, nous sommes en train de lui faire, il sera le pauvre, le dieu donné de, des écrivains français. C'est la France d'aujourd'hui. Mais elle est condamnée à évoluer. Mais elle est condamnée par finir par comprendre que l'islam fait partie de la France. L'islam est la France. Et elle ne peut pas, la France d'aujourd'hui, faire l'ablation de son islam et des musulmans. Non. Pas possible. Pas possible. Donc les journalistes, les pseudo-intellectuels, les apolitiques ou les hommes politiques ou les hommes contre l'éthique, malheureusement, veulent montrer autre chose, alors que le front, c'est moyen, alors que des gens comme lui, il y en a, alhamdulillah, donc il va y avoir de plus en plus de personnes honnêtes, hommes d'honneur et femmes d'honneur, qui vont essayer de scruter ce type de racisme, d'islamophobie, de haine, de négationnisme de l'islam, qui devient une réalité qu'il faudra vivre avec, il faudra avancer avec, il faudra, qui va finir par, qui est en train, alhamdulillah, d'apporter et de faire évoluer une partie de la France vers le bien. L'islam apporte le bien, il ne veut pas apporter autre chose. Croyez-moi. Mon ami Claude Askolovitch, chapeau. Que Dieu t'apporte la guidée et ses délices. Tu es un juif que je respecte beaucoup. Nous respectons les juifs. Les juifs qu'on doit respecter les musulmans. Même ces gens-là qui t'ont invité pour finalement faire de la pub à ce livre, ce sont des juifs d'honneur, finalement, alhamdulillah. Nous avons des choses contre les sunnistes, non. Nous n'aimons pas les sunnistes, non. Ils ont le droit de ne pas nous aimer. Parfait. On avance. L'islam est l'avenir de la France, non. L'islam est l'avenir du monde, non. Et l'islam fait partie de la France. Et la France doit finir par comprendre ça. Sinon, elle n'ira pas très loin. Et elle finira, elle continuera pas, elle continuera à se condamner, à se faire très mal. بارك الله فيكم كالله بنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته